Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin rahmanirrahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Karim mafdubi alaihi nuwala dua lina amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wal fatihi lima uluka wal khatibi lima sabaka nasil lahaqi bil lahaqi wal adila siratil kal mustaqim wa Allah alihi aka kadri wa migdarihi al-lazim. Chers frères et sœurs, je vous dis bonjour. Puisse Dieu vous bénir. C'est votre serviteur, votre dévoué serviteur Kone Adams et aussi votre petit élève qui est là aujourd'hui pour partager un petit secret avec vous. Ce secret, c'est pour tous ceux-là qui veulent avoir tout ce qu'ils désirent, mais uniquement en une semaine. C'est très, très facile à pratiquer, mais le résultat est très grand par la grâce d'Allah. Mon numéro de téléphone, c'est le 00-226-56-65-62-61. Alors, je ne voudrais pas que la vidéo soit très longue. Alors, comment est-ce qu'il faut procéder? C'est très simple. Vous allez faire chaque jour pendant une semaine après la prière d'Isha, 2 rakat au choix. Et ça se passe comment? C'est très simple. Alors, d'abord, au premier rakat, vous allez faire la sourate Fatiha. Mais vous n'ajoutez pas d'autres sourates. Hein. Vous faites la sourate Fatiha. Vous lisez, arrivez à Iyakhana Abuduwa Iyakhana Astahinu. Vous répétez cette formule-là, Iyakhana Abuduwa Iyakhana Astahinu. Donc, Bismillah Rahman Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Al-Rahman Rahim Malik Yom Medin Iyakhena Budwa Iyakhena Stahinu. Vous répétez ça, Iyakhena Budwa Iyakhena Stahinu, Iyakhena Budwa Iyakhena Stahinu 77 fois. Après ça, vous continuez. Après avoir atteint les 77 fois, vous continuez. Idina Sirat al-Mustahim, Sirat al-Ladina Namta Alayhin, Garib Makhloubi Alayhin, Wala Dohalin. Ensuite, vous ne lisez pas d'autres sourates, vous passez directement, vous finissez le rakat, vous revenez pour le deuxième rakat, vous faites la même chose, mais arrivez à Iyakhena Budwa Iyakhena Stahinu, cette fois-ci vous répétez 111 fois. Après les 111 fois, vous allez tout simplement continuer. Donc lorsque vous allez finir, vous laissez le salam, vous allez faire Astaghfirullah, 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 1111 fois. Ensuite, la ilaha illallah, ilaha illallah, ilaha illallah, 1111 fois. Et après ça, vous allez tout simplement faire la salatul fatihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wal fatihi lima uluka, wal katibi lima sabaka nasi lahaqi billahaqi, wal adi ila siratil kal mustaqim wa ala alihi yaka kadri wa magdarihi al-lazim. Vous allez faire ça 111 fois. Quand vous allez finir maintenant, vous allez tout simplement mettre le front à terre, comme si vous étiez en train de faire le sujoud, et vous allez réciter la sourate al-Fatiha. Arrivé à Iyakhena Abudwa Iyakhena Stahinu, vous dites ça, Iyakhena Abudwa Iyakhena Stahinu, et vous dites tous vos voeux, tout ce que vous désirez, avant de finir. Idina Sirat al-Mustaqim, Sirat al-Ladina Namta alayhin, Gari Makhrubi alayhin, Wala Dawalin. Amin. Dès que vous finissez ça, vous vous relevez. Vous lisez la sourate al-Fatiha une fois, vous lisez la salate, une des salates sur le prophète, celle que vous voulez, mais de préférence la salate al-Fatiha une fois, et vous clôturez la prière. Vous répétez la même opération exactement pendant 7 jours. Inch'Allah, quel que soit ce que vous désirez, vous allez l'obtenir, soit dans les 7 jours, ou bien au grand maximum 7 jours après la prière. Inch'Allah. C'est Dieu qui exauce les prières. Puisse Dieu vous bénir. Assalamu alaikum.